Je m'appelle Julien Bernard Jalaleddin Weiss. Je suis musicien français d'origine suisse, mais je suis un des rares Européens qui a consacré sa vie à la pratique des musiques arabes savantes, anciennes, religieuses ou profanes. Et donc j'ai créé un ensemble qui s'appelle Al-Kindi. C'est un philosophe du 9e siècle irakien. J'ai fondé cet ensemble en 1983 et on a fait une vingtaine de CD avec des répertoires extrêmement variés et dans le monde entier. Maintenant, ce qu'on fait, c'est un répertoire religieux et mystique avec des derviches tourneurs, qu'on appelle les Maulawi, qui vont tourner avec des chants religieux. C'est une tradition d'Amasène et à l'épine que de réintroduire cette liturgie d'origine turque et tellement ancienne dans des rituels de tradition arabophone. Ce qu'on fait en ce moment, ce soir pour vous, c'est un peu une synthèse de ce qu'on jouait dans le passé avec un rituel qui est plutôt de tendance Qadiri et Rifai. Ce sont des ordres soufis arabes, mais aussi turcs, qui remontent au 12e siècle. Je connais ces gens. J'étais tout jeune, moi aussi d'ailleurs. J'étais nommé directeur d'un festival de musique en Sicile, à Palerme. Et c'est la première fois que j'ai réuni des chanteurs religieux et des derviches. Ensuite, on a tourné dans le monde entier. Et les deux, leurs parents étaient eux-mêmes des derviches. Al-Jamal, la famille de Al-Jamal, Maher et Hatem, c'est les deux qui sont à droite et à gauche, sont avec moi depuis toujours, j'allais dire. Il reste une chaîne, une silsilate avec le passé spirituel authentique avant, au 19e siècle, 20e siècle. C'était vraiment un rituel qui était intégré dans la vie quotidienne des gens. Ils ont pris l'habitude de rentrer en transe avec ces danses spirituelles qui sont une espèce de dialogue entre Dieu et la terre, entre les esprits et l'homme, entre une métaphysique néoplatonicienne tout à fait surprenante. Et moi, je joue du kanoun, donc c'est un sitar arabe. Et là, on est simplement deux instruments, mais on est souvent plus. Il y a le ney, Ziad Kadiamin, qui est un des meilleurs, je dirais le meilleur actuellement en Syrie. Et j'espère qu'il va rester vivant, parce que venir jusqu'ici, depuis Damas, c'est à chaque fois prendre, risquer sa vie. Tout est organisé. Il n'y a pas d'improvisation dans la présence des derviches. Ils viennent à des moments spécifiques. Par contre, il y a de l'improvisation dans la vocale et des improvisations dans les instruments. Il y a un répertoire religieux et aussi des pièces instrumentales. Il y a des moments où ils ne dansent pas. Il y a des moments où on écoute la musique, on peut considérer que c'est un concert spirituel à ce moment-là. Amen.
صلي على